Un saucisson, ça se respecte. Et mon grand-père, qui avait toujours un couteau sur lui, disait que la découpe faisait partie de l'expérience de dégustation. Alors pour en savoir un peu plus, on a décidé de vous emmener visiter l'usine Opinel. Aujourd'hui, on est chez Opinel et on est accueilli par Sofiane. Salut Sofiane. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous dire où on est là? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on est dans le showroom d'Opinel. Donc c'est là où on présente un petit peu toutes nos collections, toutes nos gammes. C'est vraiment ici que on peut voir un petit peu donc, le reflet de toute la marque. Le premier modèle qui a été inventé, c'était le numéro 8. Le modèle iconique de la marque a été inventé en 1890 par Joseph Opinel. Mais c'est vrai qu'au fil des années, déjà, Joseph Opinel avait commencé à élargir sa gamme avec différentes tailles et puis après apporter différents bois. Et nous, c'est vrai que la marque a continué donc, depuis 130 ans, puisqu'on fête nos 130 ans cette année, à étoffer cette gamme. Sofiane, on vient de découvrir la fabrique à couteaux où sont assemblés les couteaux Opinel, notamment cet iconique numéro 8. Le numéro 8. Donc là, on a un couteau, on a un produit 100% français, 100% fabriqué en France, assemblé juste ici à Chambéry. Exactement. Et si on le pose là, juste à côté, on a un saucisson 100% français, une marque comme Opinel 100% française, fabriqué, alors nous, c'est les Monts du Lyonnais et l'Ardèche, mais à partir de viande aussi 100% française. Donc on a deux fiertés nationales au même endroit. Exactement. On est presque à la fin de cette 7e étape, on vient d'arriver à Méribel et on a eu la super surprise d'être accueilli par tout un club de cyclistes, on s'y attendait pas du tout. Et là maintenant, on va avoir même l'honneur de pouvoir monter le col de la Lauze qui normalement est uniquement cycliste. Suivez-nous, c'est par là. Bon bah voilà, j'ai essayé la montée du col de la Lauze. Au bout d'un kilomètre, je me suis tapé une montée à 22%. Donc j'ai fini dans la douche. L'équipe là, ils sont vraiment très très courageux. J'avais mal rien qu'en les regardant. Et on a dû pousser la douche. Donc imaginez les jeunes sur le vélo là. Voilà, donc c'est les coureurs, ça va être fou. Je vous le dis tout de suite, ça va être complètement dingue cette montée au col de la Lauze. J'ai hâte de voir ça.